une péniche à la rencontre des populations sur les canaux de la Mare Norin. Du 4 au 7 octobre, elle termine son périple au port de plaisance de Souffelweyersheim. Au programme pour petits et grands, des projections de films, des spectacles, du théâtre, des débats, des expositions et autres ateliers. L'idée, c'était d'être un lieu vivant, un lieu de flânerie, un lieu de passage. Mais on y a inscrit une programmation culturelle. On a une direction de la culture, nous assumons nos choix et nous avons donc fait appel à des artistes qui se situent à peu près à 100 km autour de chacune des 10 étapes que nous avons eues. Les premiers visiteurs arrivent, des élèves de l'école élémentaire de Souffel, inscrits pour un ciné-goûter. Le film s'appelle... Ernest et Célestine. Tiens, c'est habillé comme au cinéma. À l'intérieur, une salle modulable de 80 places, lieu culturel atypique, créé à Paris fin des années 80. C'est une acoustique extraordinaire. On a également pour les concerts du samedi soir, pour le théâtre. On a vraiment une très 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 belle salle. Merci. La péniche Grand Est a parcouru près de 900 km, 7 départements, 10 villages. Et 6000 personnes ont pu en profiter. Le programme est sur le site de la mairie de Souffel. Réservation par mail ou téléphone. À découvrir jusqu'à dimanche soir.